Top. Alors mon premier, je suis une application Android. Mon deuxième, je suis collaboratif. Mon troisième, je suis... Je suis quoi déjà ? Je suis citoyen, oui, je suis... Réparons Paris, non. Bref. Donc vous avez compris, je suis une... Donc voilà le concept. Alors Réparons Paris, c'est une application qui permet de remonter les différents incidents des infrastructures et mobilier urbain. Donc on s'est dit que voilà, des fois on en a marre de voir toujours la poubelle par terre, toujours la même chose cassée, le trottoir défoncé, un nid de poule, on en a marre, et on ne sait pas ce que fait la mairie. Donc on s'est dit, voilà, SOS, Réparons Paris est là. Et ces fonctionnalités, je vais laisser Jocelyn vous les présenter. Donc alors, comme vous disait mon collègue, donc il y a une nouvelle fonctionnalité, ça permet en fait de remonter les incidents sur tout ce qui est mobilier urbain, donc parisien actuellement. Pouvoir visualiser tous ces incidents donc, sur une carte, une liste, ainsi de suite. Pouvoir avoir des avis collaboratifs. Donc en fait, on peut regarder dans son quartier quels sont les différents incidents sur le mobilier parisien et pourquoi pas bah, dire... Ah. Et pour pouvoir dire plus sain, oui, cet incident est gênant et embêtant pour la communauté ou peu importe, mais valider l'incident et le faire remonter en fait à un plus haut niveau d'importance. Il est possible aussi donc, de prendre contact avec la municipalité, donc en envoyant une photo, les informations et la donnée géolocalisée de l'objet, donc de l'envoyer par email directement à la mairie. Et de le partager après sur les réseaux sociaux, donc Twitter surtout, et voir plus dans le futur. Au niveau des données, on utilise les données de Open Data Soft, donc vu qu'elles fournissent une API REST directe vers les données de l'Open Data de Paris. Et puis, toutes les données de l'Open Data de Paris. Donc on utilise un jeu d'environ une dizaine de jeux actuellement, mais on est ouvert à accepter différents jeux supplémentaires. Okay, voilà, on s'est focalisé sur Paris parce qu'on avait les données de Paris, mais voilà, on a bien pris le temps sur la conception, la modélisation, et c'est une appli qui peut s'ouvrir à n'importe quelle ville, enfin c'est assez générique quoi. Donc là, on va vous faire la démo tout de suite. Voilà, vous sortez votre téléphone et vous tombez sur ce premier écran de Home, avec le gros bouton signaler un incident. Un mode agent qui permet, au contraire, justement, à la mairie, enfin du côté mairie, de pouvoir voir aussi les incidents qui ont été signalés sur une carte, voir aussi leur fiabilité en fonction du nombre de personnes qui l'ont repéré. Voilà. Donc alors, par exemple, en fait, je sors de chez moi, je vois un arbre donc affaissé ou une poubelle cassée, donc qui peut être gênant, qui est devant chez moi, qui m'embête. Donc je vais signaler cet incident. Donc première utilisation, il faut pouvoir se connecter pour juste avoir un identifiant de soumission d'incident. Donc on demande l'email qui ne sera pas envoyé au serveur. Il y aura juste le HMD5 et un pseudo pour pouvoir authentifier, avoir un nom sur la personne. Donc on choisit le mobilier urbain. Donc là actuellement on a ajouté différents mobiliers, donc les corbeilles florales, les poubelles, les horodateurs, les abribus, les sanissettes. Donc moi je vais dire il y a un horodateur de cassé devant chez moi. Oui, c'est vrai. Bah là, pour l'exemple, on va le signaler. Donc, autour de moi, je vois les différents horodateurs, donc les plus proches. On veut pas, ok. Donc, je sélectionne mon horodateur. Donc, j'ai la vue liste et la vue, enfin, j'ai une vue liste pour pouvoir voir autour de moi. Plus rapidement, donc là, pas très explicite. Donc, je peux choisir mon horodateur. Donc, pour déclarer l'incident, il me faut obligatoirement une photo. Donc, je vais prendre une photo, n'importe laquelle, celle-ci.
dire le type d'incident. Donc actuellement, on n'a même plus que 3. Donc il y a la dégradation, le vol ou il est manquant. La gravité, donc ça dépend après du bien justement. Et on valide. Alors il faut un petit commentaire avec, donc c'est cassé. Bon, c'est casserole. Tac. Et ben, il y a l'envoi de rapport et avec par manque de temps, il n'y a pas toute la suite, donc voir les incidents. Il nous manque une bonne partie en fait de l'application. Parce qu'on s'est beaucoup arrêté sur le fond, enfin on va dire, on a beaucoup dialogué en fait. Voilà. Merci. Merci. Je voulais rajouter, Alors aujourd'hui la remontée des... Là à l'heure actuelle, la remontée des données et des photos, etc., elle est effective ou bien c'est pas encore fait ou... Alors, toute la partie serveur est effective, donc il y a la remontée de données, toutes les API sont là. En fait, c'est surtout la partie cliente où c'est manquant à 50%, on va dire. Donc, vous avez envisagé de produire des statistiques globales sur le Paris, son état de dégradation à partir des plaintes ou produire une carte à partir de toutes les informations que vous aurez ? En fait, en retour, on a aussi une partie, en fait, l'application a une double utilisation, c'est-à-dire on a une partie utilisation citoyen et une partie utilisation mairie, en fait. C'est-à-dire que la mairie pourrait avoir voilà, une carte avec l'ensemble de tous les reports d'incidents. En fait, pour chaque incident, on a ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les gens en fait, peuvent mettre un plus 1 du fait que l'incident n'a pas été réparé. Donc ensuite, de l'autre côté, la personne de la mairie, l'agent de la mairie qui va checker en fait tous ces endroits, pourra aussi lui avoir en fait un retour et puis changer le statut en fait de cet incident. De plus, avec un historique en fait. Vous avez envisagé que les gens puissent dire qu'ils sont contents aussi ? Il y a toujours moyen de lâcher un commentaire et de dire oui, ça a été réparé, parce qu'on n'a pas aussi spécifié que l'agent l'agent de la mairie, enfin, il met des statuts aux incidents pour dire que c'est clos, et les personnes peuvent toujours commenter et dire oui, enfin, on est content, ça faisait des semaines qu'on attendait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ou dans le jury ? Non ? Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non. Non ? Très bien, bah, écoutez, il vous reste 30 secondes, mais on va vous applaudir quand même. Alors pour certains...